Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à prévenir que la macro est très mal faite, donc on voit un petit peu flou. C'est normal parce qu'il fait un petit peu sombre dans la salle et j'ai pas autre part. Donc voilà, ce sera une vidéo surprise. Donc comme vous voyez derrière moi, il y a donc une boîte pop avec un Disney Zootropolis. C'est écrit ça, mais moi je pense que ça s'appelle Zootopie. J'ai pas encore vu le film, mais j'espère que ça va me plaire. Voilà, donc c'est écrit Judy Pop. Hop, pourquoi pas. C'est la 189. Et c'est le lapin dans Zootopie. Voilà, donc dans la collection, il y a encore ça. Il y avait d'autres trucs, d'autres choses, personnages aussi de la collection. Et ben voilà, moi je préfère ça. Ensuite, nous avons deux pochettes surprises. Oui, on dirait qu'il y en a une. Hein. Des sirènes du cœur. Donc, j'en avais déjà ouvert une dans Délire entre cousines avec des surprises. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et n'oubliez pas, au bout de 10 likes, ma cousine revient. Ouais. Donc, voilà. Et bah franchement, j'aime bien. J'ai une collection balèze. Et j'en ai repris encore deux. C'était les deux derniers. Il y avait deux bannettes et c'était les deux derniers les bannettes. Dans une bannette, il restait ça. Et dans le chat, et moi j'ai dit au pire, je prends les deux, c'est bon. Donc voilà. Bah, nous allons commencer par Magic, les sirènes du cœur. Avant de commencer, dites-moi. Donc là, je peux pas parce qu'on voit le machin là, mais là, vous allez me dire le personnage que vous voudriez avoir là-dedans. Dites-moi en commentaire. Hein. Moi, je voudrais sincèrement. Attendez, je voudrais avoir. Elle ou elle. En fait, on voit pas trop. On voit pas, ça m'énerve, mais bon. Nous allons ouvrir. Ah, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Donc, voilà, c'est la sirène verte. Donc, je vais mieux vous la montrer déjà, je vais l'ouvrir. Hop. Je vous ferai une vidéo pour présenter toutes mes sirènes du cœur. Donc, hop, voilà. C'est elle. Elle s'appelle Jodie. Bonjour, je suis Jodie, la sirène aventurière. Donc voilà, c'est la sirène aventurière. Nous sommes fait vraiment plaisir de l'avoir parce que je voulais quand même l'avoir. Et voilà, dans toute la collection, moi je voulais avoir elle surtout. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec la prochaine pochette surprise Magic, les sirènes du cœur. Dites-moi laquelle sirène, lesquelles sirènes vous auriez préféré que j'ai. Donc, cette fois, on va pas ouvrir la pochette. On va regarder par la première page, comme là-dedans, on a vu que c'est elle. Attention. Non! Mais non! Mais c'est un délire, quoi! On a eu la même! Wow. Dans la même vidéo, en plus, truc de malade. Oui, de malade. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais non, mais c'est pas sérieux, quoi. Oh. Bon alors attendez parce que avant de commencer au gros truc, je vais quand même un petit peu faire de la place. Hop. Je vais mettre les déchets à la poubelle. Hop. Et... Non, maintenant on se retrouve pour le gros lot. Donc en fait au lieu où je l'ai acheté, il y avait le renard, il y avait le chat Chloé, il y avait un lapin, mais... Un lapin, un petit, hein, le petit lapin blanc, mais moi j'ai préféré elle. Donc on commence. Ah! Mais non, mais le truc, je l'ai déchiqueté. Parce qu'en fait, il y a le truc anti-vol là, et bah, j'avais eu du mal à l'ouvrir. Encore désolé pour la qualité dégueulasse! Wow, elle est trop belle. Ma toute première figurine pop. Mais je suis trop contente, elle est trop belle. Ok.
Mais genre, sa tête, elle est archi grosse, son corps tout petit. Je pense qu'il y a un petit pose. Ouais, un support, pardon. Oui. En fait, ça fait comme les LPS G4 ou G5. Ouais, G5 ou G4. Bah, je confonds les G et les chiffres. Mais je sais qu'il y a des G. En fait, il y a son support et comme les LPS G5 ou G4, il y a un petit trou. J'essaye de le mettre parce que devant la caméra, ça va pas être évident. Rien que j'arrive pas ici. La galère totale. Hop, je pense que j'ai réussi. Donc, voilà. Elle est trop belle, elle est trop belle pour une toute première figurine pop. Elle est seulement trop belle. Donc, je l'amène sur une étagère, hein, peut-être dans ma salle LPS. Oui, bon, si vous demandez, j'ai une salle LPS. Et si vous dites que c'est trop, bah, c'est moi ça. Il y a une salle carrément d'LPS. Donc, je vais mettre sur une des étagères LPS puisqu'il y en a des vides. Voilà. Franchement, elle est belle. Tiens, on va terminer la vidéo avec. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. Attends, partager, liker, commenter. Il manque un truc. Et t'abonner! Donc voilà, il manquait s'abonner. Non, parce qu'il y a 4 trucs à dire et j'en avais dit. Oui, bah voilà, je déconne. Bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!